Ah, je me rappelais pas que c'était aussi dur. À quoi, 53 minutes? Peut-être que je couperai ici, là, c'est la grange. On va continuer encore un petit peu. Alors, la grange. Ah oui, c'est ça, il fallait mettre des trucs dessus. Il fallait mettre des boîtes. Il fallait mettre tout un tas de boîtes. Et en fait, il fallait le faire que au dernier moment. Ah oui, bien ça. Alors, ça, c'est une boîte un peu plus lourde. Bon, je pense que là ça devrait être pas mal en termes de poids. Vite, ouais. Oh là 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 là. Oh non! Chiotte. Pénibilité, un moment de plateforme, et oui. Oh là là. Et tu peux y arriver. Ouais, c'est bon. Et le fouet, voilà. Le fouet, on va beaucoup s'en servir. Et donc là on peut s'accrocher des trucs par exemple, ça, comment ça se passe? Oh la vache. Pouvez-vous servir du fouet pour vous accrocher aux branches, franchir des crevasses? Ah voilà, non? Ah voilà. Appuie sur les boutons de la souris pour décrocher le fouet. Merde, oh putain. Ah je me suis fait mal. C'est pas grave. C'est comme ça en fait que j'aurais dû faire. Clic gauche pour lâcher, clic droit pour resserrer. Donc, clic gauche pour desserrer et clic droit pour resserrer. Alors comment on fait pour se casser de là? Putain. Faut que j'arrive à me cacher. Il y a un système de stealth dans le jeu d'infiltration, si on est dans les buissons, il me semble. Suzy, ton cul est à moi. Ouais, c'est ça. Là, je peux pas passer là. Pour m'envoyer cette traînée.
Bon, lui, il a pas l'air de vouloir bouger. Okay. Wow. Billy! Tu veux pas te retourner, toi? Non. Tu te caches, petit merdeux! Vite. Casse-toi, Johnny! T'as plus de 17 points de vie! Oh non! Oh non! On y était là! Oh là là, ils nous refont! Oh là, ils nous refont faire ça! C'est scandaleux! C'est ignoble! Bon. Allez. On a compris, donc ça devrait plus poser de problème maintenant. On va en mettre le plus possible quand même. Ah bah c'est bon. Allez, ouais. Tac 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 tac. Faut que je fasse une safe state aussi là-haut. Il faut que j'ai passé cette poutre là. Oh là là. Voilà. Ils sont pour monter comme ça. Non, oui, tu vas remonter s'il te plaît. Oh non, allez quoi. Allez, tu peux monter là s'il te plaît. Allez quoi. Fais-le. Allez. C'est bon. Ah putain, il se loupe complètement quoi. Allez, c'est bon. C'est bon. Non. Oh là là. J'y étais en plus. Sérieusement. Est-ce que si je fais charger, je peux pas avoir la partie. Ah non, j'y ai pas, purée. Ou alors sauvegarde auto peut-être. Ça a pas fait une sauvegarde tout à l'heure. Hein. Ah, je sais plus. Pour le kernel, je préférais vérifier par moi-même. On est sûr par moi-même. Hein. Où est-ce qu'il est passé? Et les autres qui sont encore en train de me chercher quoi. Non! Ouais, oulala, j'ai cru que j'allais tomber encore. Ah, c'est bon. Donc là, voilà, F5. Histoire de pas encore recommencer les histoires. Donc, maintenant qu'on comprend, on va faire ça. On fait ça. Et on fait ça. Alors, c'est clic droit ou clic gauche? C'est clic gauche. Ah mais on peut pas lâcher plus? Ah j'aurais pas dû le faire plus... Là je vais tomber, je vais faire mal. Tant pis, allez. Ouf, ok. Allez, c'est bon. J'étais peut-être arrivé au bout du lasso en fait. Alors.
caches, petit merdeux. Ouh, ça lui est pas plu. Il peut pas être bien loin. Tu te caches, hein? Me voilà! Non, putain. On peut pas troller, on peut pas troller les ennemis au bout d'un moment. Ça marche pas. On peut pas être bien loin. Tu te caches, hein? Je crois qu'il a filé. Oh là là. Oh là là, cette combine. C'est bon. Et liberté. Liberté. Ah, ici, c'est là que va commencer l'aventure du révérend. Oh putain, par contre, ils sont tous là au pont. Merde. Ils m'attendent, ces coyotes à foie jaune. Oh, oh. Et merde, il lâche pas le morceau. Pas moyen de traverser. Mais on va passer par un autre chemin, voilà tout. C'est la maison de Franck le Fêlé. Il est revenu complètement dingue de la guerre. Là-bas, qui s'est pris dans le citron a pas dû l'aider. S'il y a quelqu'un dans cette ville qui doit avoir des munitions, c'est bien Franck le Fêlé. Ah, sauf que Franck le Fêlé, il est un petit peu dangereux. Si je me souviens bien. Regarde ma Lucie, c'est Billy. Alors petit, t'as trouvé de l'or? Mais y a pas d'or. L'or de Juarez. C'est qu'une légende, il a jamais existé. Oh, je vois. C'est pour maman. Voilà, alors là... Ça va l'énerver, dès qu'on va récupérer ça, ça va l'énerver. Hé Lucie, qu'est-ce qu'on va faire de ce petit voleur? Voilà, voilà. Ouais Lucie, on a descendu des femmes et des enfants. Alors tu penses que des sans-abri vont rien comme toi? Oh ça, salopard! Oh ah, oui. Regarde ma Lucie, c'est Billy. Alors petit, t'as trouvé de l'or? Mais y a pas d'or. L'or de Juarez? C'est qu'une légende, il a jamais existé. Oh je vois, c'est pour maman. Allez vas-y, laisse-moi passer. Tu veux prendre ce qui est à moi? Fais encore un pas et Lucie t'explose la caboche. Wow. Je crois qu'il s'est un peu énervé. Wow. Oui, on peut pas. Oh, merde. Oh, chiotte. Je pensais qu'on pouvait passer comme ça derrière.
Regarde, ma Lucie, c'est Billy. Alors, petit, t'as trouvé de l'or? Mais y a pas d'or. L'or de Juarez? C'est qu'une légende, il a jamais existé. Oh, je vois, c'est pour maman. Allez, vas-y. Écarte-toi. Tu veux prendre ce qui est à moi? Pourquoi? Mais il veut plus me laisser derrière. Il veut plus me laisser entrer maintenant. Ça, c'est fou, ça. Tout à l'heure, j'ai réussi à entrer sans problème. Et là, maintenant, ça pose problème. Maintenant, il veut plus. Tiens, plus connu sous le nom de Boss, celui qui tire les ficelles chez Techland, a mené ses troupes au combat dans de multiples campagnes. Puis j'ai mon secret d'avoir des dossiers concernant. Ouais, c'est des clins d'œil aux développeurs, je pense, tout simplement. Allez. Hé hey, Lucie, qu'est-ce qu'on va faire de ce petit voleur? Ouais, Lucie, on a descendu des femmes et des enfants. Alors tu penses que descendre un bon rien comme toi? Vite. Alors, on va faire encore un truc. On va baisser la musique. Voilà. Et augmenter le reste. Ah, vache. Recharge, recharge. J'ai un petit Derringer avec deux petites balles. Vieux tocard! Vous pouvez vous servir du fouet. Oui, c'est ce qu'on va faire. Yeah. Oula! Oh la vache! Le monde semi-ouvert. Vous rendez-vous compte? C'est ici, le seul chez moi que j'ai jamais eu. Ma mère doit être en train de préparer le dîner à cette heure-là. Des biscuits, du ragoût, j'en ai l'eau à la bouche. Ah! Thomas! Merde! Lâche la sale fiche de pute! Tu m'entends? Je vais te péter! Ah, j'ai pas vu. En fait, c'est. Eh oui, sa mère qui se fait tuer ou un truc comme ça, je crois. Oh Seigneur, c'est en ce jour de sabbat dans cette église vide que je vous adresse ma prière. Oh, encore une erreur, Windows. Oh non, le jeu ne répond plus. Super. Alors là, on a fini l'épisode 1 et... Oh, c'est incroyable. Oh là là. Bon, deux secondes, je redémarre le jeu. C'est un jeu sur un CD, bon. Je pensais pas que ce soit aussi fragile quand même. Bonsoir Samiaza36. Bienvenue mon ami. Tu peux parler si tu veux, hein. Tu peux regarder sinon très confortablement ce stream. Si jamais il te plaît, tu peux aussi parler. Comment vas-tu ? La légende de l'or perdu de Juarez se transmet de génération en génération. On va prendre ce truc là. On va peut-être passer à la cinématique quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir la fin? Tac, sauvegarde auto. Si on va se refaire ça, mais les épisodes on les a. Ah bah voilà, épisode 2. Épisode 1, épisode 2, parfait.
Normal. Oh Seigneur, c'est en ce jour de sabbat dans cette église vide que je vous adresse ma prière. Oh non. J'y crois pas. Oh là là, je le crois pas. Le jeu plante en fait à chaque fois. À ce moment-là. Rendu visite dans un cauchemar. Bon. Qu'essayez-vous de me dire, Seigneur ? C'est bon. Que les habitants de Hope s'enfoncent dans les ténèbres, tout comme j'ai été autrefois la proie de l'emprise de Satan ? J'ai invité en personne chaque âme perdue de cette ville à se joindre à la messe d'aujourd'hui. Je leur apporterai votre parole, Seigneur. Je leur montrerai la voie. Attendez. Oula. Toc. Utilisez la Bible pour commencer la messe. Bonjour. Bonjour. Wow. Bien, bien, bien. Est-ce donc là tout ce que cette ville compte de fidèles ? Quelle piètre assemblée ! Il est fort décevant de constater que ses semblables préfèrent les plaisirs de la chair au salut de l'esprit qu'offre ce sanctuaire. En vain s'est donc élevée la voix des cieux pour dire de la catin de Babylone « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. » Et qu'aurait-il à recevoir ici, Padre ? Des insultes ? Des reproches ? La vie est trop courte pour la passer, écoutez les jérémiades de Cubéni comme vous. Allez, une tournée gratuite pour tous ceux qui me raccompagneront à mon saloon. Clyde Forrester, est-ce donc pour cela que tu es venu ici ? Comment oses-tu détourner mes ouailles du droit chemin ? Sans les pécheurs comme moi, vous n'auriez plus de boulot, Padre. Si je ne tente personne, vous n'avez personne à sauver. Silence, vipère ! Hors de ma vue ! Je sais tout de vous, mon père. Alors n'essayez pas de la ramener avec moi. Vous ne valez pas mieux que... Hors de mon sanctuaire ! Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Révérend Ray, j'ai entendu des coups de feu du côté de la ferme de votre frère. Comment ? Ce bâtard du démon brûlera en enfer. Oh la merde. Alors lui, le type en rouge, il a le même doubleur que Russell Crowe. C'est un type qui vient de mourir d'ailleurs, j'ai croisé Billy en ville tout à l'heure. Je l'ai vu entrer dans le saloon. J'ai pas d'arme. Bah oui, on va aller là où il y a le... Oui, c'est ça, on va aller là où s'est terminé le premier chapitre. Vite. Courir. Attendez, je me rappelle plus, mais je me demande s'il n'y a pas tout simplement un bouton pour courir. Marcher, courir, machin. Pas courir. Sprinter peut-être ou je sais pas. On peut pas faire de sprint. Ouais, ça. Ok. Les jeux, c'est quoi ça? Sous-titres. Ah, voilà des sous-titres. Ah ouais, il nous manquait ça. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Je peux lire la Bible pour choquer les adversaires, je crois. Ça les provoque, plus ou moins. Voilà. Et voilà la poursuite. Et c'est ça qu'on a vu. L'appel de Juarez. Voilà. Billy. Mais qu'as-tu ? Billy ! Les portes et les fenêtres ont une solidité variable. Essayez d'ouvrir la porte la plus proche. Si elle est fermée, un bon coup de pied. Ah zut, on va passer par là.
pas casser comme ça là. Ah non, j'ai perdu. Oh là là. Le jeu te demande vraiment d'être rapide. Hein. Billy! Allez. Pourquoi tu veux pas donner un coup de pied? Ah parce que... Ah oui, d'accord. C'est tuto encore. On me dit tuto. Vite! Waouh, lui il s'est téléporté là-haut. Billy! Un saut d'eau. Ah la vache, je me suis pris le dégât. J'ai pas réussi à tout éteindre. Assassin Billy. Non. Donc on peut pas passer évidemment. D'accord. Mais après évidemment on va se retrouver à le protéger ce Billy. Parce que c'est un quiproquo. Te voilà. Un immense malentendu. Reviens ici! Vite! Il va passer le point. Billy! Non! Billy, qu'as-tu fait, mon enfant? Pour l'amour de Dieu, qu'as-tu fait? Je dois prévenir Tim. Et là, par contre, ça va péter. Entrer en ville pour prévenir le shérif. Sauf que le shérif, il tient pas Billy dans son cœur. Le mot est faible. Et c'est là que nous allons prendre part. Et voilà. Ces chiens n'ont aucun respect. Ils ne valent pas mieux que des hyènes. Comment voulez-vous que je les chasse? Les chasser? Que faites-vous? N'avez-vous donc aucune pudeur? Révérend Ray! J'ai entendu des coups de feu et... Il faut aller chercher le shérif! Et toi? Comment oses-tu dépouiller des morts? Et pourquoi donc ils auraient besoin de ça, hein? Puis de toute façon... Toute la ville va pas tarder à débarquer ici. Quittez ce lieu! Partez! Ou je vous jure okay. Sur la Bible que... C'est bon, je m'en vais. Mais on se retrouvera. Dehors! Sortez d'ici! Non quoi? Vous allez m'envoyer en enfer? D'après Clyde, vous êtes loin d'être un homme de Dieu. Il m'a... Assez! Utilisez vos points... Ah ouais, alors voilà. C'est là qu'on va se battre. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, par contre, je sais pas comment on se protège. Ah, zut. Faut que tu passes ta... Tiens. C'est bon, on va se les faire. Oula, eux, il s'est fait mal quand même. Allez, montre-toi. Fumier, là. Tiens. Pendant 20 ans, j'ai suivi la lumière et dénoncé les ténèbres. Jour après jour, j'ai œuvré pour sauver des âmes en perdition. Tout ça pour vous, Seigneur. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Comment avez-vous pu laisser ceci se produire? Aidez-moi, Seigneur, par pitié, parlez-moi. Que voulez-vous de moi?
épisode terminé. Salut Sébastien. Salut Avia. Bonsoir. Cet enfant bâtard n'est qu'un fardeau sur cette terre depuis le jour de sa naissance. Un bon à rien doublé d'un quoi. T'es arrivé à un terme à la vie de droiture de mon frère. De si je pouvais, je le tuerais. Oh Seigneur, est-ce là ce que vous réclamez de moi? Que je sois votre épée? J'ai passé 20 ans à prêcher pour des hyènes et des loups, mais peut-être en est-il qui sont au-delà de toute rédemption. Est-ce là votre message? Dois-je détruire ceux qui ne peuvent être sauvés? Si tel est... Oh, alors c'est ainsi que je vous servirai. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Eh ouais, ils plaisantent pas le révérend. Du coup, un petit FPS, dont moi seul est le secret. Call of Juarez. Je sais pas si tu connais ça, Avia, mais franchement... C'est un vieux jeu. Après, voilà, faut quand même l'avouer, hein. C'est un vieux jeu. L'heure est venue de ressortir de vieux compadres. Mais j'adore les FPS. Les FPS western. J'adore les westerns surtout. Il y en a trop peu. Trop peu. Et il y a Red Dead Redemption aussi qu'il faudrait que je teste un jour. Je n'avais pas posé les yeux sur ces flingues depuis 20 ans. Oh, combien un joli host. Volé ça, c'est sympa. Cette fois, ce ne seront pas les outils de Satan. Cette fois, je serai guidé par la lumière de notre Seigneur. Tu seras guidé par le tremblement de la caméra. Greux. Okay. Merci Marc pour le host. Bien, connais que Red Dead Redemption et j'ai adoré. Ah oui, moi j'y ai pas joué, mais je sais que c'est formidable. Que c'est du Rockstar. Et Rockstar, la plupart du temps, c'est quand même bien fait. Que comptez-vous faire, révérend? Je vais retrouver Billy. Vous n'êtes pas la loi ici, Ray. Laissez la loi s'occuper de ça. Je représente la loi suprême. La loi de Dieu. Ray, calmez-vous, écoutez-moi. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple. Et qui disait aux sept anges. Allez, et versez sur la terre. Les sept coupes de la colère. Vous avez perdu la tête, et vous n'irez nulle part. Donnez-moi vos armes. Ce type est une Assez. Je vais tous vous mettre à l'ombre si vous ne fermez pas vos grandes gueules. Donnez-moi vos armes, McCall. Ne m'obligez pas. Oh mon Dieu. Oh les forbans. Bonsoir, Marc. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Bonsoir Gio l'intrépide. Bienvenue les amis. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir lui? Merde. Ils sont cachés. C'est un host qui t'a amené ici, Gio l'intrépide. Je suis innocent. Pas de problème. Hein. Plaisir d'avoir des gens qui viennent quand je suis sur un vieux jeu comme ça. Coucou Joe. Appuyez sur le bouton tir. Nanana. Oui, donc là il va y avoir un bullet time, un des premiers bullet time des jeux vidéo. Avec vos armes dans le rituel activera le mode nanana nanana. Ok, paf. Oh là là. Ah vache, je me suis loupé là sur le dernier coup. Alors on a quoi là? On a un bon flingue. Sur mes deux flingues, ils sont peut-être bien. Ah non, c'est celui-là qu'il faudrait prendre. Alors celui-là, il faudrait que je fasse ça. Ah voilà. Comme votre mari n'est plus de ce monde, je me suis dit que vous deviez vous sentir un peu seul. Le chéri se fait descendre à peine tu arrives. Madame Powell. J'essaie de voir si je peux pas prendre ça, ça va le prendre. Oh merde! Il est où? D'accord. Ah, tu vas reprendre Fable demain. Ah, tu dis ça juste pour que je passe, hein. Ah là là là, mais ça marche en tout cas, ça marche.
Ça me donne envie de passer tout à coup. Ça c'est des... Versets. Je me rappelle dans ce jeu, c'est que les armes sont usées. Il y a des armes plus usées que d'autres. Et ça, à la limite, on va le mettre comme ça, voilà. Ah non, mais elle est... ah oui, elle est usée aussi, celle-là. Vous voyez, il y a un éclair rouge sur l'icône de l'arme. Ça, c'est pas bon. Ouais, peut-être qu'au début, on a que des armes comme ça en même temps. C'est pas grave. Tac, tac. Bon. Ah, bonsoir, bon. Bonsoir. Bienvenue sur Call of Juarez. Le premier FPS western que je connais, en tout cas. On a peut-être eu d'autres. Oui, si, il y en a eu d'autres, mais... Le premier FPS western auquel j'ai joué. Dans ma vie. De joueur. Dites-moi aussi hein, si le son est bien. C'est bien d'ailleurs que vous arriviez dans le stream juste à ce moment-là, parce que c'est... C'est un peu plus rigolo, il se passe des trucs. Il se passe des choses. Alors, comment ça se passe? Ah oui, c'est ça, on va entrer là-dedans. J'ai besoin d'une clé. Merde, on n'a pas la clé. Ah, j'ai oublié de la ramasser. Eh oui, ils ont buté le shérif. Ces saligots ont buté le shérif et j'ai pas récupéré la clé. Dans ta vie de joueur qui joue à des jeux, ouais. Ah oui, il est sympa, bon, ouais. Franchement, il est sympa. Après, c'est un vieux jeu. Donc, forcément, il y a le côté un petit peu... effrayant. Enfin, non, c'est peut-être pas le mot effrayant. Mais il peut avoir pris un sérieux coup de vieux, quoi. Non, c'est pas ici, en fait. Qu'est-ce que je... Non. Elles sont... Ah, ça doit être... Ah, ils sont partis avec les clés, ces enfoirés. Merde. Le son est impec. Bon, bah, c'est cool. Bon, alors, il va falloir que j'aille les chercher par la peau du cul. Ces espèces de coyotes à foie jaune. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. J'ai fait plus récemment, j'avais fini Call of Juarez Bond in Blood, qui est la suite. Et qui est vachement bien Bond in Blood, je vous le conseille. Je vous conseille quasiment même plus Bond in Blood que celui-là. Parce que bon, il est un petit peu plus récent quand même, il est plus joli. Mais premier Call of Juarez de ma vie de viewer. Qui regarde jouer des gens à des jeux vidéo. Je me suis repris Call of 2 sur Steam, donc niveau vieux jeu, je suis immunisé. Cool. On est sur la même longueur d'onde. Le seul ennui, c'est que... Merde. Donc là, l'objectif, c'est le point rouge. Comme vous vous en doutez sûrement. Pourquoi est-ce que je ne peux pas entrer? Ah oui, à tous les coups, c'est genre, j'escalade le chariot, là. Je peux pas escalader, comment voulez-vous que je fasse? Oh merde, ça commence déjà l'embrouille. Oh putain. Si, il y a un truc là pour escalader... Ah oui, d'accord. Alors, ce jeu est bourré de défauts aussi, c'est le problème. Il y a des phases de plateforme dans ce jeu qui sont... ignobles, je sais pas, mais qui sont très très durs et qui sont pas évidentes du tout de temps en temps. En fait, c'est quoi le truc? Parce que là, il me demande de grimper là-haut, à mon avis. Tac tac tac. Est-ce que je peux grimper comme ça, peut-être? Non, je peux pas. Ah, il y a un truc par terre que j'ai ramassé. Non, en fait, on va le mettre à la place de l'autre. Ouais. Comment je peux faire pour grimper ici? N'y aura-t-il pas moyen? Un moyen plus simple. Tac tac, c'était mieux avant, hein, par l'hôtel peut-être. Ah oui, parce que là tout ça on peut sauter, mais attendez. C'est incroyable! Je suis déjà paumé. J'arrive déjà pas à grimper. Vous avez vu un hôtel? L'hôtel. Oh, ça commence mal cette histoire. L'hôtel est à gauche au début de la rue. Euh,
Ah oui. Oui, c'est exact. L'hôtel est bien à gauche. Comment j'avais fait à l'époque pour grimper là-dessus? Alors peut-être que tout simplement je peux ouvrir la porte. Saloperie! Saloperie, laissez-moi rentrer! Peut-être que c'est de l'autre côté comme ça? Oh, enfoiré! Ah, il fallait passer par derrière. Et voilà! Oh là là, c'est ça le problème aussi, c'est que le révérend, il est pas agile. Hein. Il est pas agile du tout, ce pauvre révérend. Avec les caisses, ouais. Oh là là, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le pour moi, quoi. T'en prie. Voilà. Tac 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 tac, ok, coup de pied. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ah, ça c'est pour soigner, mais on n'a pas besoin. Ah oui, ça c'est à chaque fois, c'est des clins d'œil pour les développeurs. Vous cherchez pour avoir composé la bande son de Call of Juarez, suspecté d'avoir honteusement repiqué des bruitages et d'avoir plagié sans virgule la musique d'un autre. Ah, attention, non, c'est bon, j'ai cru qu'on allait bugger sur les... C'est bon, tu meurs. Voilà, voilà. C'est gentil de mourir. Non, tu l'as laissé tomber où, ton flingue? Fort bon, va. J'ai eu récupéré ton arme. Bon, tant pis. L'icône en forme de revolver en bas à droite indique que le mode concentration est à nouveau disponible. Pour l'utiliser, commencez par engainer vos armes. Entrez dans la pièce dès que vous verrez vos adversaires, appuyez sur le bouton machin. Vite ! Paf, paf. Ouais, c'est bon. Ouah, ils ont quand même eu le temps de me toucher, hein. N'oubliez pas que vous pourrez utiliser à nouveau le mode concentration dès que l'icône en forme de revolver sera allumée. Faut que j'y pense. C'était un petit peu fort, hein. Révérend, pourquoi les avez-vous échauffés comme ça? Ils sont devenus fous. Ils ont tué mon team. Ils vont aller à la prison pour libérer leurs amis. Merci, Avia. Et prendre des armes. Prenez cette clé. Centime. Vous êtes notre dernière chance. Ça va le faire. Ça va le faire, ma petite dame. On va trouver un arrangement. Ah, voilà. Ça, c'est un bon flingue. Ça aussi, c'est un bon flingue. On va le prendre. Comme ça. Ça, ça va se soigner. Ok. Du coup, elle m'a filé le... Ah, j'ai... Ok. Je peux à nouveau réactiver le mode concentration. Oh, ah la vache! Ah. Wow. On va peut-être aurait augmenté d'ailleurs le son des armes à feu. Ah. Ah, tac. Un peu bas, je trouve. Il y a où cet enfoiré? Est-ce qu'il
faudrait c'est des armes plus précises quand même, hein. Parce que là, bon. D'ailleurs, c'est le jeu aussi où tu peux pas tirer dans les cadavres. Hein. Il y a une espèce de respect post-mortem, vous voyez. Oula. Oh putain. Oh là là. Oui. Oh là, ils sont beaucoup bien. C'est bon, t'es mort. Oh la vache. Enfoiré. Oh là là. Et encore j'ai mis le jeu en normal. Hein. Mais j'aurais peut-être dû le mettre même en plus dur en fait. Oh putain. C'est bon. Vous avez compris à qui vous aviez affaire. Bande de chiens. Et où il la porte. Et maintenant, padre. Toujours à essayer de nous faire peur avec les flammes de l'enfer. Et si on lui en donnait un avant-goût. Crève. Ah d'accord. Ok, ils vont faire flamber le truc. D'accord. Jouer le genre. Vite. Est-ce qu'on a des trucs à regarder d'abord? Oh. Non, y'a rien. Putain, il brûle. Oh la vache déjà. Putain, ça va vite. Merde. Oh là, c'est bon. Par où? Comment faire? Oh, par ici. Ok. T'as jamais vu Pal Rider? Si, ah oui, non. Moi, je l'ai vu assez récemment d'ailleurs, Pal Rider. Ça va te paraître fou, mais je l'ai vu assez récemment. Genre, il y a quoi? Il y a un mois peut-être. Bon, allez, je crois que c'est le premier film. Je sais plus si c'est le premier film qu'a réalisé Clint Eastwood. Ça change d'ailleurs, hein. C'est différent de tous les westerns de spaghetti ou caucase. C'est pas la même, même chose. Ah oui, d'accord. Tac, c'est ici qu'il faut aller. Alors attendez, comment on grimpe? Par là. C'est pas le premier, non? Je pensais que c'était le premier western de Clint Eastwood. On a un autre aussi, impitoyable. Il y a un pitoyable, c'est peut-être celui-là le premier. C'est cool. Bon, allez là. Alors, il y a plein de phases de jeu comme ça dans Call of Juarez, ce qui peut rebooter parfois. C'est ça le problème. Mais ouais, non, il y a ça, mais ça, je crois pas que ça serve pour l'instant. Quoique, il y a l'échelle là-bas. Ah, mais si, t'as raison! Si, je crois qu'il a raison en fait. Je crois qu'Avia a raison. Non, on va pas prendre ça. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais déjà fait ça avec Billy dans le premier épisode. Il faut le refaire, tout simplement. Yeah. Ok, c'est bon. Il y a aussi l'homme des hautes plaines à voir absolument. Ah merde, j'ai pas vu, tiens. Écoute, il va falloir que je vois ça, il va falloir que je corrige le trait. Le voilà.
Ah, la visée. Ah, c'est pas encore ça la visée. comment je fais? Ok. C'est scripté. Par la puissance du script. Mon préféré reste Il était une fois dans l'Ouest. Ah oui. Ça c'est la trilogie des Il était une fois. Je sais plus lequel est en premier, lequel. Mais j'ai revu récemment Il était une fois la Révolution. Il y a Il était une fois dans l'Ouest. Et puis il y a... Il manque un gobelet à Cheers. Ah oui, c'est vrai. C'est gentil ça, Géo, l'intrépide. Tac tac tac, il faudrait que je le rajoute. Je sais plus où il est, tiens, d'ailleurs. Attendez, on va le mettre. Il est ici. Regardez, il est ici. Je sais pas si ça va marcher le temps que je le mette. Est-ce que ça a marché? Ah 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 ah. Je sais pas du tout s'il marche, hein. C'est vraiment. Ah, peut-être qu'il marche pas, ou peut-être qu'il faudrait que je le configure mieux. Attendez. Ah zut. En fait, il faudrait que je teste vraiment en allant sur Streamlabs et tout, mais... Il a pas l'air de marcher, là. Hein. Je crois que ça n'a pas marché. Oh là là! Ça n'a pas marché. C'est peut-être le contraste. Oh là 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 là. Il y a encore des beats. Ah si, ça marche. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bon, peut-être que je le mettrai autre part, le vert. Tac, tac, tac. Mais bon, en attendant... tac, tac, ici. Par ici, peut-être comme ça, là, tac. Attendez, on va le mettre là plutôt. Oh là 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 là, oh là, mais ils sont fous. Ils sont dingues. Les deux petits tests. Donc. Oh là 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 là. Comment je fais déjà? Oh, je sais plus. Je sais plus, là je perds mes repères. Ah bah c'est ça tout simplement en fait. Je suis con hein. Ben voilà, il fallait juste passer par la trappe. Il y a un trou. Il y a un trou, Guidi. Oui du coup, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, il était une fois l'Amérique. Je crois que c'est... Oui, c'est Il était une fois à l'Ouest. Enfin, Il était une fois à l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest, ça doit être le premier, après la Révolution, et après l'Amérique. La moitié est tombée à côté, ouais. J'ai remarqué, c'est souvent comme ça, la physique est complètement poussée sur ce verre à bits. Foie jaune. Foie jaune. Punaise. Oh. Ah la vache, il était là! Oh les enfoirés! Oh les enfoirés! C'est bon? Oh là là! Il est parfois utile d'utiliser le feu pour faire sortir les ennemis de leur cachette. Ah bah c'est une lampe à huile près de la caisse. Ah oui, je me rappelle de ça. Lâche. Ah merde. C'est ce qu'on appelle un file en bonnet du forme. Oh là 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 là, ce file. Je me rappelle aussi, c'était un des premiers jeux où j'avais découvert la propagation de feu qui avait été faite. Foie jaune. Foie jaune. Allez, montre-toi. Vas-y, vas-y, ose te montrer encore. Ose. Attendez, on va faire juste un truc. Allez, j'ai mouru là, ouais.
retiens juste un truc, le X là, qui permet de viser un peu plus loin. Enfin de viser un peu plus loin, de viser tout simplement. On va le mettre sur E je crois. Sachant que E n'était pas encore utilisé, voilà. Ça va être mieux. Voilà. Oh là là. C'est bon. Petit, c'est pas visé. La panique te fait faire n'importe quoi, mon garçon. Alors. Zou, je vais dodo. Bonne nuit. Merci, Géo l'intrépide. Bonne nuit à toi. Ah, c'est bon. Oh la vache. Ah, le feu, le feu. Bonne nuit, Géo l'intrépide. A très vite. Ah oui, mais en fait, on en avait plein encore. Oh là là, on en avait plein. Regardez ça. On pouvait vraiment s'éclater, en fait. Et du coup, maintenant, il s'agit d'éteindre le feu. Oh, merde. Oh, merde, ça me fait mal. Heureusement, il y a de l'eau quand même. Ils sont sympas. Ils ont mis de l'eau partout. Le pyromane consciencieux quand même. Je veux dire, on joue un pyromane consciencieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se récupérer un peu de vie quand même? Il n'y a pas moyen. N'oubliez pas que le feu peut être votre allié comme votre ennemi. Ouais, je ne l'oublie pas. Je n'en suis que trop conscient. Crève, sale chien ! Voilà. C'est ici que j'ai balancé la lanterne. J'ai fait n'importe quoi. Ah oui, ça marche aussi comme ça. Oh, je me rappelle de ça, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment encore la propagation du feu ou pas? Je sais plus si ça marche. Non, je crois que c'est... Ah, le feu, il... D'accord. Oula. Punaise. Partout. Le saligo. Ouais, c'est les scènes d'action comme ça que je préfère dans le jeu. Ok, on a vraiment tout plein de munitions. Oh la vache. Dans quelle position ils sont, quoi. Soin. Soins, ok, sauvegarde. Ah ouais, on peut rien faire. Le révérend a décimé le village, la messe est dite. Et voilà. Le révérend qui part à la recherche des meurtriers, sauf que c'est lui le seul et unique meurtrier du village. Appuie sur W pour passer en mode tir rapide. Ah oui, je me rappelle de ça aussi. Oh là là. Quoi? Il est où? Ah, il est là. Ah ouais, d'accord. C'est complètement con de faire ça. Moi, je crois pas non. Ouais, bon. Ah! Voilà, ça, c'est bien. Le fusil de chasse. Le fusil de papy. Quelle heure? Mince. Ah zut. Ah, moi qui veux regarder l'heure au très... au pire moment. Attendez. 1h35, ok. On va pas tarder. Ouh.
parfaitement les malins maintenant avec du feu, hein. Alors. Il est quelle heure? L'heure de ta mort, Gringo. Me voilà! Je vais mourir, moi. J'ai plus que 30 points de vie. J'ai eu celui-là. Merde. Ah, la vache. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir le pied en feu et continuer de marcher et avoir du plomb dans la tête ensuite. C'est bon, toi tu meurs. Je pense qu'il est 6 balles dans le buffet et demi. C'est ça. Attends, est-ce qu'on peut... Ah non, on peut prendre la hache. Ah non. C'est quoi ça? C'est pour la jeter en fait. Ah, je peux taper comme ça? Ah non, c'est bien ça. Bon. Soyons sérieux. Nous sommes des cowboys, on va pas se battre avec des haches. Tout bien. Donc là, si je me rappelle bien, attention. Il est, tu vas crever moins le quart. Ah, misère. Putain, vraiment, j'arrive à viser là, mais il y a trop de fumée. C'est toi l'enfoiré. On va leur balancer encore un reste de trucs. Hein. Il me semble qu'il y avait encore une... Oh, la vache! Je l'avais pas vu celui-là. Mais... Fait me surprendre. Enfin, il m'a surpris. Ouh, ce petit headshot là. Je peux leur raconter les... Je peux leur dire la gueule. Oh la vache, j'en fous pas. Attendez, on va se regarder ici un petit peu là. Pulp Fiction, eh oui. Bon, je sais pas si c'est un clin d'œil à Pulp Fiction, enfin, ça fait clairement penser à Pulp Fiction. Moi, ça me fait penser tout de suite. Tiens. Ah. Ouf. C'est bon. J'étais sûr que ce jour arriverait, Padre. J'étais sûr qu'un jour vous montreriez à cette ville votre vrai visage. Vous vous croyez meilleur que moi. Nous sommes les deux faces d'une même pièce, Ray. Je suis content que vous soyez là, car cette fois sera la dernière. Vous voyez, lui, le doubleur. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Propriétaire du salon, là. Ok. Ah vache! Un fusil! Ah ouais, oh la vache!
c'est pas de dynamite. Ah, j'ai ça. Ah là, j'ai pas de dynamite de rien, moi. Comment je fais pour les attaquer? Attends. Il y a un inconnu qui est entré dans la ville et qui a tué tout le monde. Et ben, et c'était qui? Je viens de te dire que c'était un inconnu. Oui, ok. Et donc, c'était qui? Un inconnu. Oui, j'avais compris, mais il s'est connu, ça doit... C'est quoi son nom? Ah vache, je suis en train de mourir en fait. C'est ça, c'est ça là, l'odeur de rouillé, de rôti. T'es mort. Allez. C'est bon. C'est bon. Acceptez ses présents. Oh la vache. Je me suis pris un chariot dans la gueule. J'ai pas aimé. Ok. Ah oui, non, je peux les intercepter en l'air. Oh, je me rappelle de ça maintenant, mais c'est super dur quand même. Oh putain, j'ai plus de vie. Il est où cet enfoiré? Ouf. Ça serait bien si je pouvais grimper, je pouvais carrément entrer là-dedans, là. Je peux pas, évidemment. Oh là là. Allez, vas-y, montre-toi. Je vais shooter dans la dynamite et puis c'est bon, quoi. Tu veux me faire danser? T'es sérieux, mec? Ah, je crois que je l'ai eu. Enfin, quoi. Bon. Accepté lui aussi. Je peux pas me glisser par là. Ah, évidemment. Je pense qu'il faut que j'aille encore dans le saloon pour en finir avec ces communistes. Pour mettre le feu au salon, tirer sur les tonneaux, le chariot, mettez le feu au chariot à l'aide d'une lampe. Ah ouais.
J'ai raté mon coup, je crois. Bon, vous savez quoi, j'ai loupé mon coup, donc... Voilà. C'est scripté, de toute façon. Car quiconque fait le mal est la lumière. Pas t'aider, moi. Tu n'es pas un homme de Dieu. Je sais ce que tu es. Je sais qui tu étais. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Foutu bordel de fils de pute. Tu crois que les anges vont t'accueillir à bras ouverts? Tu iras en enfer. Et c'est moi qui t'y aurais envoyé. Forrester, vous êtes défié en duel. Tuez-le. Le duel des chefs. Voilà, on va faire ça et après on s'arrêtera. Attendez le signal de départ, puis utilisez la souris pour dégainer. Visez, tirez rapidement pour être le plus rapide que votre adversaire. Vous ne pouvez pas vous déplacer pendant le duel. Ok. Ah, comment je fais? Ah non, mince, il fallait que je dégaine. On va te tuer car on en a gros. C'est ça, c'est totalement ça. Le révérend Gray est mort de bon matin en lundi. Attends, mais pourquoi je peux pas sortir mon arme par contre? Pourquoi je peux pas sortir mon arme? On veut être considéré en tant que tel. Mais j'arrive pas à sortir mon arme. Pourquoi je peux pas sortir mon arme? Pourquoi j'arrive pas à sortir mon arme? Attendez, pas de problème. Dégainement. J'ai loupé un truc, en fait. Tir alternatif, tir main gauche. Attendez, c'est incroyable. Alternatif W peut-être. Merde. Dégainer. Merde. J'arrive même pas à faire ce truc. C'est sérieux? Attendez le signal de départ, puis utilisez la souris pour dégainer. Déplacez votre souris vers le bas pour prendre votre arme. Mais en fait, comment j'ai fait pour déplacer ma souris vers le bas? Je comprends pas. La vache! Je comprends rien. Je comprends rien. En plus, je me suis gouré parce que le E, en fait, je l'ai mis. Le E, on en a besoin. Chut. Tire main droite, tire main gauche. Toujours un copie. Ah merde. S'incliner à gauche. Ah, c'est E que j'ai mis. S'incliner à droite. Non, c'est le contraire. À droite, E. À gauche, A. Et donc l'autre pour viser, concentration, c'est je sais pas, on va mettre F, non, T, tiens. Bah ouais, avec la souris, ouais, c'est bizarre, je sais pas. C'est pas clair. Ah, c'est pas clair. Ah, mais en fait, j'arrive pas, je comprends pas. Bah ouais, avec la souris.
Mais la souris, je la vois pas en fait. En fait, j'arrive pas à prendre mon arme. Bas, haut, bas, gauche, droite, milieu, A, B, C, X, W, Z. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je peux pas prendre d'arme? Pourquoi je peux pas prendre mon arme? Cliquant. En fait, j'arrête pas de cliquer, ouais. Je clique, je fais ci, je fais ça. Attendez, je rêve. Déplacez votre souris vers le bas pour prendre votre arme, puis vers le haut pour viser. Ouais, mais d'accord. Ah, mais moi, je veux bien, hein, mais... Ah oh, ouais, d'accord. Ah, il fallait être rapide, elle est tombée, en fait. Babylone, il fallait grande. Faire bas où? Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur, de son impudicité. Aujourd'hui est le très saint septième jour. Vous avez refusé de venir au Seigneur. Alors il a déchaîné contre vous le feu et son épée céleste. Entendez mes mots. Oh la vache. Entendez mes mots. Cliquant à coups si on sent la lombe. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement. Que cette ville-là. Le Seigneur a fait de moi sa main droite, son juge, son jury et son bourreau. Prends garde, Billy, car avec moi marche la colère du Tout-Puissant. Ouais, Billy, c'est l'autre personnage qu'on joue, qu'on jouera. Parce que là, on a fini l'épisode 3. Filez. Que j'ai tué quelqu'un ou pas n'y changera rien, ils pendront quand même. Et je crains qu'on va s'arrêter là. Chien. Ouais, on va s'arrêter là, les amis. Ouais. Au Mexique, je serai à l'abri. Mais en plein par Juarez, faudrait être dingue pour s'aventurer là-bas. Mais la mine près de Black River, un train passe juste à côté. Je pourrais sauter dessus et laisser m'emmener à San José. Molly vit là-bas, la dernière personne au monde en qui je puisse avoir confiance.